Bonjour, c'est Hubert chez Green Zebra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une chanson toute petite, Il court le furet. C'est aussi une petite comptine bien connue qu'on va jouer avec trois accords, tout simple. On va jouer avec le Do, le Ré mineur et le Sol 7, que je vais vous remontrer en détail quand même pour plus de clarté. Et alors, on va faire un petit arpège, comme je viens de vous jouer, je vais vous montrer aussi un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, allez chercher votre ukulélé, c'est parti, c'est super fastoche! Alors pour le Do, on prend l'annulaire, hop, qu'on vient placer ici sur la troisième case de la première corde. Et pour passer du Do au Ré mineur, eh bien on va placer l'index ici sur la première case de la deuxième corde. On retire celui-là et on vient poser le majeur et l'annulaire, hop, sur la deuxième case des deux cordes les plus hautes. Donc ça c'est le Ré mineur. Et pour passer du Ré mineur au Sol 7, on reprend ces deux mêmes doigts. On va venir positionner, mais ici en laissant un espace, enfin une corde entre les deux. Donc un sur la première corde et un sur la troisième. Et puis pour revenir du Sol 7 vers le Do, on soulève l'index et le majeur, hop, et on remet l'annulaire sur la troisième case. Do, Ré mineur, Sol 7, Do, Ré mineur, Sol 7, Do. Sol 7, Do. C'est intéressant de faire la petite gymnastique et de bien réfléchir à la trajectoire que font les doigts en passant d'un accord à l'autre. Par exemple ici, entre Ré mineur et le Sol 7, c'est important de retenir que l'index ne bouge pas. C'est déjà un truc en moins auquel il faut penser, quoi. Do. 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 Allez, c'est parti. Alors pour le petit arpège, ce qu'on va faire, on va de nouveau utiliser donc quatre doigts. Et on va utiliser un doigt pour chaque corde, puisqu'il y a quatre cordes. Le mouvement qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par utiliser le premier et le dernier simultanément, et puis on va utiliser le majeur et l'index. Okay? Donc on commence par le pouce et l'annulaire ensemble, et puis on fait majeur, index. Et alors en plaçant les accords. Ok, donc si vous le jouez comme ça, vous avez à chaque fois un petit écart qui vous permet de repositionner votre main gauche pour refaire votre accord. Si vous voulez faire un mouvement plus continu, vous pouvez rajouter encore un petit mouvement, le refaire hop, hop. Ok, donc on peut rajouter une note avec le majeur. Donc faire hop, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si vous jouez comme ceci, évidemment, il faut être très rapide pour le changement d'accord, puisque voilà, on a vraiment que une fraction de seconde après le 4 pour vite remettre ses doigts en position, quoi. Et donc en remettant tout ça ensemble, les accords et l'arpège, et ben ça va donner ceci. Il court le furet des bois, mesdames. Il court le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là.
Et voilà, encore une petite chanson pour vous. J'espère qu'elle vous procurera de bons moments avec vos petits loulous. N'oubliez pas de télécharger mon guide 5 trucs pour progresser en musique, même quand on n'a pas le temps. Parce que c'est important de progresser en musique, même quand on n'a pas le temps. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un petit guide super pratique qui vous permet justement de remettre le pied à l'étrier. Si jamais vous avez envie de faire de la musique, mais que vous avez laissé ça de côté et que vous ne savez pas très bien par où commencer pour vous y remettre, ben voilà, c'est une bonne petite lecture. Et voilà, vous téléchargez ça tout à fait gratuitement. Je mets le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications parce que voilà, parce que ça me fait plaisir évidemment. Au plus on est de fou, plus on rit. Et n'oubliez pas non plus de liker la vidéo parce qu'évidemment, si la vidéo est likée, alors elle est proposée spontanément par YouTube à plus de gens et ça permet à d'autres gens de découvrir le ukulélé et de voilà, de jouer plein de petites comptines. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.